Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Lunishmat, Avraham ben Soussan, ainsi que l'Irfu Atraya Rivka bat Léa, Sarah bat Nechama, et Hana Léa bat Gitel Devora, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez, vous aussi, une prochaine étude du Mishnah, qu'on appelle ça comme j'étais dernier, nous étions Masachet Psachim. Peridalet Mishnachet, Shisha Dvarim Asu Anshe Yerechu, Al Shlosha Michu Beyadam, Bel Shlosha Lo Michu Beyadam, Veluhen Shalom Michu Beyadam, Markivin Dekalim Kol Ayom. En rapport, d'une part avec les usages qu'on a évoqués durant tout le Pérec, et en plus avec les halakhot du 14 Nissan, qu'on n'a pas le droit de faire, les travaux qu'on n'a pas le droit de faire durant la journée du 14 Nissan. Eh bien, la Mishnah continue à. Elle a une nouvelle Mishnah qui va nous parler maintenant de six choses. Shisha Dvarim Asu Anshe Yericho. Six choses que les habitants de Yericho avaient l'habitude de faire, que les six n'étaient pas en accord avec Rachamim, ils n'étaient pas contents de ce qu'ils faisaient. Mais malgré tout, Al Shlosha Michu Beyadam, sur trois parmi les six, Rachamim Michu Beyadam, ils sont sortis en leur criant et leur interdisant, en diffusant l'interdit de ce qu'ils faisaient. Tandis que Val Shlosha Lomichu Beyadam, mais sur trois, ils n'étaient pas tellement d'accord, mais ils ont fermé les yeux. On va voir que les gens d'Yericho, en fait, c'était fondé, c'était des avis, c'est pas juste qu'ils se permettaient de faire des permissions pas claires, mais ils avaient des raisons profondes pourquoi ils permettaient les choses. C'était apparemment des gens Chachamim, sûrement ça s'est fondé sur des Rabbanim qui leur ont permis des choses là. Donc sur trois, Chachamim ont pu fermer les yeux, mais trois, Chachamim sont sortis contre. Expressément. Veluen Shelomichu Beyadam. Telles sont les choses pour lesquelles Chachamim ne leur ont rien dit, ils ont fermé les yeux. Markivim Dekalim Kolayom. C'est en ça que c'est en rapport avec le Maserhet, avec le sujet du chapitre, que durant la journée du 14, ils étaient Markivim Dekalim Kolayom. Littéralement, ils croisaient des palmiers toute la journée. Les croisements de palmiers, c'est un croisement, des croisements d'arbres, d'abord, c'est interdit par la Torah. De prendre deux espèces, de prendre une branche de l'un, le planter dans le tronc de l'autre, pour que ça fasse des fruits un peu originaux, qui vont être entre une pomme et un abricot, c'est interdit à faire. Mais là, on parle qu'on va prendre deux sortes de décalimes, de palmiers. Apparemment, je ne connais pas tellement les décalimes, mais il y a des palmiers mâles et des palmiers femelles. Et pour que. C'est une technique. Je suis un peu étonné par ce qu'il dit Rachid d'ailleurs, c'est que la femelle ne donne pas de fruits, apparemment. Ouais, je crois, le Tosafot il parle de ça. Il inverse, ou bien il explique plutôt. Concrètement, je vous explique. Il y a certains des calims, certains palmiers qui vont donner pas de fruits, d'autres qui donnent des fruits, mais pas extra. Et l'idéal, en fait, pour qu'ils donnent des beaux fruits, c'est de les couper les deux. Et on prend la branche de l'un et on la plante dans l'autre. Celle qu'on va planter, c'est celle qu'on appelle en fait le zahar, la masculine. Parce que le fait qu'on la plante, elle est censée qu'elle est masculine. C'est pas qu'elle est réellement mâle ou femelle. Et voilà, comme ça ils expliquent. Bon. Donc, ils faisaient ça durant la journée du 14 parce qu'ils estimaient que c'était Dvar Aved. C'était quelque chose qu'ils allaient trop perdre s'ils attendaient, s'ils ne devaient pas le faire tout de suite. C'était la saison, ils étaient limités pour le faire, il fallait tout finir avant Pessah. D'accord? Donc, Rami m'ont fermé les yeux parce que même si c'est un travail très épuisant, il faut passer la journée dessus. Malgré tout, c'était nécessaire, ils ont fermé les yeux. Vekorin Hachema, et aussi une autre chose, c'est qu'ils étaient Korin Hachema. Littéralement, ils emballaient le schéma. Ils croient quelque chose, c'est de l'envelopper. Genre, ils lisaient tout le schéma d'un trait. Soit parce qu'il est de plus en plus intéressant dans la Gemara, soit parce qu'il ne disait pas la phrase de Baruch Shem Kivon Malchuto de Olam Ved. Parce que dans la Torah, quand c'est écrit dans le parashat de Beit Hanan, Shema Yisrael Hashem Adonai Hashem Echad Ve'Avta, il n'y a pas écrit Baruch Shem dans la Torah. Malgré tout, c'est une phrase que Yaakov, quand il avait réuni ses enfants, il avait dit peut-être qu'il avait voulu dévoiler la fin, la Geoula, alors la Shrinal s'est retirée de lui. Il a dit peut-être que Shalom, vous faites de la vota, il y a de la vodazar entre vous. Alors ils ont entendu non, Abba, non, papa. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Israël, toi, notre père Israël qui s'appelle Israël, écoute que on prend tous sur nous que Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et sur ça, Yaakov il a répondu Baruch Shem Kodesh Malchuto. Du fait que Yaakov a dit cette phrase, mais que Moshe Rabbeinu ne l'a pas rapporté dans la Torah, on a l'usage de la dire à voix basse. C'est une des raisons qui est rapportée dans la Gemara ici. Maintenant, les gens d'Yericho, eux, quand ils lisaient le schéma, ils allaient à la synagogue, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Ve'avta et Hashem Elokeinu, sans dire Baruch Shem. Rachamim m'ont fermé les yeux. Deuxième point. Il y a une autre interprétation, je le dis très rapidement quand même,
C'est plutôt que quand on finit de lire Shema Yisrael Shema Echad, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Après, quand on commence Be'avta, c'est Kabbalat Ol Mitzvot. Il faut marquer un temps d'arrêt. Pensez, premièrement, qu'Hachem il est un, l'unité, c'est lui, celle qui domine tout, qui dirige tout vers son, dans le dévoilement de son Yichud Hachem. Une fois que tu as fini ça, tu reçois le Ol Mitzvot. Maintenant, Hachem il t'ordonne de faire un épisode, de l'aimer, Et du coup, il ne faut pas tout lire d'un coup, il faut s'arrêter et réfléchir entre les deux. À Yerichou, il ne faisait pas ça. C'est dans ce sens-là qu'ils emballent, ils faisaient tout d'un coup comme ça. Troisième chose aussi qu'ils faisaient, que Chachamim m'ont fermé les yeux, c'était Vekotsrin Vegodshim Lifne Omer. Avant la venue du Omer, alors là, il faut expliquer ce qu'on interdit du Khadash, la nouvelle récolte. Toute récolte qui pousse durant toute l'année, si elle n'a pas commencé à prendre racine depuis avant Pessah, elle est interdite de consommer par l'interdit de Khadash. Jusqu'à qu'arrive le jour de Pessah, on a porté le Homer au Beth Amikdash. C'est encore en vigueur à notre époque, même en Chutz La'aretz, et avec une petite Minatora même. Et c'est pas fréquent en général dans nos pays. Ça peut être fréquent dans l'hémisphère sud, où les saisons sont tout à l'envers, alors ils vont se retrouver avec de la récolte qui a été plantée de Pessah. En général, on plante avant Pessah, et la récolte, elle pousse après Pessah. Ouais. Il y avait en Russie, malgré tout, c'était assez fréquent des choses. Ils rencontraient ces cas de figure. Il y a encore dans l'époque du Bach, et même plus, même. Ils avaient ce problème en Lituanie, ils en parlent beaucoup. Donc, concrètement, je reviens sur mon sujet. Avant l'Omer, on n'a pas le droit de manger la récolte. Maintenant, est-ce qu'on a le droit, malgré tout, de récolter la récolte, de la stocker, de la préparer, sans la manger? Alors, en théorie, ben mettre que Chachamim ont pris plusieurs mesures pour nous interdire de. T'as peut-être le droit de la récolter, mais t'as pas le droit de la préparer à la consommation. De peur que tu vas te mettre à la manger, tu vas te mettre à la manger machinalement. Eux, ils se permettaient de le faire à Yericho, et dans tous ces cas de figure, Velo Micho Beyadam. Chachamim ne leur ont pas reproché. Ils n'ont rien dit. Par contre, Velo Shemichum Beyadam, mais telles sont les actions que Chachamim n'ont pas fermé les yeux. Même après ça, ils sont partis leur reprocher leur conduite. Tout d'abord, Matirin Gamziyot Shel Hekdesh. Il permettait les petites pousses du Hekdesh. Soit, si j'ai sanctifié un arbre, que maintenant, tout mon verger, je l'ai sanctifié à Hachem. Toute sa valeur, maintenant, elle appartient au Beth Amikdash. Je peux le racheter, mais pour le moment, il appartient au Beth Amikdash. S'il y a une nouvelle pousse qui va pousser, cette nouvelle pousse-là, ou même un nouveau fruit, si je le mange, je ne transgresse pas l'interdit de la Torah de Mehila. Parce qu'il n'a pas été sanctifié, c'est une pousse. C'est un prix de ce qui a poussé. Ouais, il est plus. Il a une Gdusha inférieure. Je crois que même, il a même une Gdusha que Midé Rabbanan, en fait. Eux, ils se disaient, ben tu sais quoi, c'est permis complètement, puisque c'est parce que j'ai sanctifié. Et il utilisait cette petite pousse pour la prendre, pour aller planter un nouvel arbre, par exemple. Rami, on leur a dit, non, là, il y a un interdit Midé Rabbanan, au moins deux. Il y a un interdit de Meïla. D'accord? Deuxième cas de figure, Vochlin, deuxième situation aussi qu'ils ont permis, Vochlin mitachat anesharim beshabbat. Ils mangeaient aussi sous les arbres qui ont lâché des fruits, qui ont fait tomber des fruits à Shabbat. Soit les fruits qui tombent de l'arbre Shabbat sont interdits à la consommation. Ils étaient mouktés. Eux, ce qu'ils ont fait à Yericho, c'est que maintenant, si les fruits sont tombés avant Shabbat, ils sont en théorie permis. Comme ça, c'est rapporté ici. J'ai un problème que ça contredit plusieurs choses que je connais dans les cours de Shabbat, mais je dis tel que c'est rapporté ici dans le Mefarshim, mais je n'ai pas compris le sujet ici. Il y a une xéra de Perot Shenachro, on n'a pas le droit de manger sous un arbre, de peur qu'on va se mettre à cuire machinalement, j'ai pas trop compris où il est passé cet interdit. Dans les Mefarshim que j'ai trouvé sur la page, j'ai pas vu que quelqu'un soulève, soit il y a un détail qui m'échappe, je sais pas. Il y a donc, on n'avait pas le droit, donc, maintenant, si les fruits sont tombés avant Shabbat, il n'y a pas de problème de moukhté, on est dans un sujet de moukhté. Si les fruits sont tombés avant Shabbat, ils sont pas moukhté. S'ils sont tombés avant Shabbat, ils sont moukhté. Eux, ils se permettaient d'aller manger les fruits sans savoir s'ils étaient mouktés ou pas mouktés. D'accord? Comme ça, c'est rapporté. Chez le Mitsu Mitachatayelan, Velon Adaim Nashu Me Emesh, Vemutarin Ayom, Vasurim. Ok? La Gemara explique que ça dépend de ce que Mouchan la Adam, Mouchan la Behema, Mouchan la Adam, est-ce que c'est des fruits qui sont prédestinés à la consommation par les animaux, parce que même les corbeaux, ils pouvaient aller les manger. Donc, du coup, c'est plus tellement mouktés. Peut-être oui, peut-être non. D'accord? Sans ça qu'il y avait. Donc eux, ils ont pensé que oui, Chachamim ont dit non, c'est interdit. Parce que Mokhan la Adam, le Mokhan la Béhéma. C'est le fait que les corbeaux pouvaient aller les manger, c'est pas une bonne raison pour dire que c'est plus moukté. Et troisième chose qu'ils ont fait, c'était des grandes tzadikim, mais ils ont voulu notre nim Péa la Yerek. Lorsqu'on a un champ, il faut donner la Péa, le coin, les cinq coins, pour
pour les pauvres qui puissent venir manger. Il y a des halakhot requises dans ma Masechet Pea, l'équitato qui a achat ou machniso le kioum, kol shugidou le karka ve l'équitato qui a achat ou machniso le kioum, et 5 conditions, je ne les ai plus toutes en tête, mais une des conditions en tout cas, c'est quelque chose, il faut, on a le devoir de laisser la PA que sur des sortes de fruits ou légumes qui poussent tous en même temps et qu'on récolte tous en même temps. À la différence de, par exemple, je ne sais pas moi, les courgettes. Vous partez, certaines semaines, il va y avoir des courgettes qui vont pousser ici, vous allez les cueillir, puis après la semaine d'après, il y aura d'autres courgettes qui vont pousser là-bas, il y en a constamment. Une chose pareille, aider les courgettes, il n'y a pas de droit de laisser la PA. La PA, c'est que ce qui pousse. Tout d'un coup, et on récolte tout d'un coup. Eux, ils ont voulu faire mieux, apparemment. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont dit, allez, viens, on va laisser la paix à même pour les courgettes, ou pour les tomates. Vous allez dire, c'est des grands tzadikim, ils veulent donner, même pour les pauvres, que les pauvres, ils vont même pouvoir manger d'autres légumes. Le grand problème de cette histoire, c'est que pendant les fruits qui poussent de mon champ, s'ils sont PA, j'ai pas de devoir de prélever les tomates masrot. S'ils sont pas PA, j'ai le devoir de prélever les tomates masrot. Or, maintenant, si j'ai pas de devoir, selon la Torah, de laisser la PA, donc, ils sont... C'est pas devenu de la PA. C'est pas de l'argent des pauvres. C'est de mon argent. J'ai décidé de donner mon argent aux pauvres. Maintenant, les pauvres viennent, cueillent les fruits et les mangent. Ils prélèvent pas, parce que eux, les pauvres, ils savent bien que quand ils récoltent dans un champ la part qui leur revient, ils sont pas imposés de prélever le maaser. Mais là, en l'occurrence, ils sont pas en train de prélever ce qui leur revient. Ils sont en train de prélever ce que j'ai décidé de leur faire cadeau. Je reprends, j'explique un petit peu mieux. J'ai mon champ d'olives. D'accord, je fais pousser des olives, je fais pousser du blé. Allez, du blé. Je fais pousser du blé. Je dois donner un coin, un 60e de mon champ, pour les pauvres qui vont me venir cueillir ce blé et le manger. Ce blé-là, il n'a pas besoin d'être prélevé, la Torah de Massot. Pourquoi? Parce que la Torah l'a dispensé. Ce qui revient en droit, ce que les pauvres ils ont comme droit de prendre et de manger, c'est dispensé de Torah de Massot. Moi, je devrais laisser sur les 59 60e, dans ma part, je devrais laisser de la PA. Si une fois que moi j'ai pris ma récolte, je décide finalement de faire un grand cadeau aux pauvres. Je vais prendre encore 10%, mais pas ma sérénie, autre chose. Je prends une part de récolte et j'ai un pauvre qui me fait, j'ai envie de faire un beau cadeau. Je lui dis, tiens, prends 10 kilos de blé. Il devra prélever là, les trombotes maasrot de ce blé, même s'il est pauvre. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, c'est plus des matzenot anim. C'est plus que la Torah là, directement, elle a octroyé aux pauvres. C'est moi, de mon argent, j'ai décidé de faire un cadeau. Si je donne en cadeau aux pauvres, il doit quand même prélever des tomates maasrot. D'accord? Je reviens maintenant sur l'histoire des légumes. Mon champ, s'il n'est pas imposé de PA, donc si je laisse la PA, c'est très bien, c'est très gentil. Mais le problème, c'est que les pauvres qui vont venir manger maintenant de ce champ, eux, ils vont manger sans donner la PA, parce qu'ils ont l'habitude que de la PA, on donne pas tomates maasrot. Mais cette fois-ci, c'est pas de la PA. C'est moi qui leur fais un cadeau. Donc du coup, c'est un grand problème ce que je fais, d'accord? Et du coup, Rahamim leur ont, ou Michoub et Adam Rahamim leur ont reproché leur conduite pour qu'ils arrêtent de le faire. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov Tzala.